Merci bien. Alors, la présentation de ce soir devait concerner deux livres qui devaient être physiquement présents. Le mien, donc Valence de l'avant-garde, et celui de Jean-Pierre Cometti, mais qui malheureusement est encore sous presse. Et j'en parlerai, bien évidemment, mais il ne sera pas physiquement présent avec nous ce soir. Bien, alors peut-être quelques mots d'abord sur la maison d'édition qui publie ces deux livres, qui est la maison d'édition Questions théoriques. Elle est née, je vais faire assez vite, elle est née fin 2006, d'abord comme un pôle éditorial au sein d'une autre maison d'édition spécialisée en poésie contemporaine, qui était les éditions Aldante. Et progressivement, elle s'est émancipée. Elle a acquis une certaine autonomie jusqu'à, je crois, fin 2008, début 2009, devenir on va dire une maison d'édition autonome, voilà, qui est diffusée par les éditions Vrin. Et pour dire les choses rapidement, cette maison d'édition, Questions théoriques, elle se structure autour de quatre collections. Une collection qui est liée à la théorie littéraire, qui s'appelle Forbidden Beach, plage interdite. Une collection de poésie expérimentale, pour dire les choses rapidement, de textes en tout cas difficilement situables dans les genres littéraires admis, qui s'appelle Réalité non couverte. Et enfin deux collections théoriques, l'une dédiée plutôt à l'étude des cultures numériques, qui est dirigée par Aurélien Anglaise, et enfin une dernière dont je m'occupe, que j'anime, qui est la collection Sadio Casino, et qui est essentiellement consacrée à des traductions, et des traductions qui touchent à la théorie critique anglo-saxonne et allemande, à l'héritage en gros du marxisme, mais aussi de la philosophie pragmatiste américaine. Alors on essaie de faire une collection un petit peu syncrétique, qui essaie d'associer ces deux courants de pensée. Alors, peut-être quelques mots sur l'origine de ce livre et celle également du livre de Jean-Pierre Cometti qui s'appelle Le Retour de Laura. Eh bien, ces deux livres en quelque sorte sont nés d'un projet commun qui a été d'ailleurs un des premiers projets auxquels je me suis attaché lorsque j'ai rejoint le pôle éditorial des questions théoriques, qui était de traduire en français ce livre de Peter Berger, c'est un livre important à mon sens, qui est un livre de théorie critique fait par un universitaire allemand disciple d'Adorno, donc qui s'inscrit dans ce qu'on appelle l'école de Francfort, et qui a été publié en allemand en 1974, mais qui a été, on va dire, un petit peu, qui est passé sous silence dans le débat français sur la modernité et sur les avant-gardes. C'est un livre qui a été traduit très vite aux États-Unis, et qui a intégré les débats autour de l'art contemporain et de son rapport aux avant-gardes, mais qui a été un petit peu passé sous silence en France, et c'était donc cet oubli que je souhaitais réparer. Donc en 2010, je crois, nous sommes mis d'accord avec Jean-Pierre Cometti, hein, qui était déjà un auteur chez Questions théoriques, et qui est un traducteur éminent, qui a traduit, je crois, près de 70 livres de l'allemand, de l'anglais et de l'italien, et il a décidé de traduire ce livre que nous avons publié en 2012, début 2013, voilà, 2013. Et ce livre a été, pour lui en tout cas, une sorte d'infléchissement dans son travail, puisque Jean-Pierre Cometti avait publié plusieurs livres sur des questions d'esthétique, où, très grossièrement, il défendait un point de vue pragmatiste, voilà, qui était finalement le fait de moins s'intéresser à des objets qu'à des fonctionnements ou à des processus, à ce qu'il appelait des facteurs d'art, qui sont des facteurs externes à l'objet d'art, mais qui sont des facteurs, on va dire, des dispositifs institutionnels et sociaux dans lesquels l'art est activé, et qui active l'art. Et avec, il me semble, sa traduction de Berger, il y a eu un infléchissement de son travail, il y a eu une sorte de, peut-être, de redécouverte de la théorie critique, donc celle de Walter Benjamin et celle de Théodore Adorno notamment, et il a repris à Walter Benjamin le concept d'aura,
pour titrer son dernier livre sur l'art contemporain et la culture contemporaine, qui s'appelle Le Retour de Laura. Qui était d'abord appelé, excusez-moi, Le Retour de Laura, pour ensuite être rebaptisé La Nouvelle Aura. Voilà. Donc, ce livre, en tout cas, a eu un rôle important dans l'inflexion du travail de Jean-Pierre Cometti sur la critique, en quelque sorte, de la culture contemporaine, et on va y revenir. Alors, pour ma part, je souhaitais rédiger une postface, comme j'ai l'habitude de le faire pour les livres, pour les traductions que nous publions dans la collection Sadio Casino, mais l'auteur Peter Burger lui-même a été quelque peu échaudé à cause de la traduction américaine de son livre, qui a été précédée d'une très très longue préface de 100 pages qui était complètement post-structuraliste. On parlait de Kristeva, de Derrida, et qui évacuait la dimension fondamentale de son travail, qui est une dimension marxiste. Donc, échaudé sans doute par la publication américaine de son livre, il a préféré en tout cas que la traduction française ne comporte pas d'appareil critique. Donc, ce texte que j'ai écrit, et qui devait être au départ, en tout cas, une postface à Peter Burger, je l'ai développé, je l'ai autonomisé, au point d'en faire un livre indépendant, où finalement le travail de postface sur Burger n'occupe que le premier chapitre. Donc Burger, en quelque sorte, fonctionne comme une sorte de marchepied. Alors, peut-être un mot du titre qui peut paraître un petit peu opaque, le titre Valence de l'avant-garde. J'ai bien conscience que le mot Valence n'est pas d'usage très courant, et c'est un terme que j'emprunte à la fois, on va dire, à la chimie, puisque les valences, c'est le nombre de connexions qu'un atome ou qu'un élément peut avoir avec d'autres, et c'est aussi un terme que j'emprunte à la grammaire, plus exactement à la grammaire actantielle d'un certain Lucien Ténière. Peut-être les étudiants de lettres connaissent, et la valence d'un verbe, en tout cas, c'est le nombre de compléments ou d'actants qu'il peut accueillir, avec lesquels le verbe s'articule. Donc, grosso modo, au sens le plus large, les valences, c'est le nombre d'éléments avec lesquels un concept, en quelque sorte, peut se connecter, en modifiant son propre sens et en modifiant le sens des termes qui lui sont syntaxiquement liés. Alors, le livre de Burger, moi, me sert de point de départ. Le fait de produire une théorie de l'avant-garde, qui soit une théorie et non une simple histoire, une histoire souvent dispersée de ces différents courants ou écoles, le fait de faire une théorie me semble vraiment intéressante, puisque une théorie, c'est une construction conceptuelle qui implique, on va dire, une certaine restriction de son objet, même si cette théorie, elle se fait dans l'histoire. Mais une théorie n'est pas une simple histoire. Et ça, c'est un point de départ important du livre de Burger. Alors, pour lui, ça c'est ce que je reprends, l'avant-garde correspond strictement au mouvement des années 1910-1920, constructivisme russe et productivisme soviétique, dadaïsme et par exemple le courant comme De Staël en France et en Hollande. Pour lui, l'avant-garde, stricto sensu, se caractérise par la volonté de détruire les cadres institutionnels de l'art, l'art autonome, qui sont apparus au XVIIIe siècle et qui sont consolidés au XIXe, et ceci pour une fin politique. L'avant-garde veut dépasser l'art dans la pratique de la vie, c'est-à-dire dans une praxis révolutionnaire et politique renouvelée, à la différence de l'art moderne ou du modernisme, qui fondamentalement ne remet pas en cause l'autonomie de l'esthétique, et qui croit encore à une forme d'art pur. Disons que le modernisme, c'est une sorte de quête pour que l'art se fonde lui-même. L'avant-garde, c'est au contraire un dépassement de l'art dans une praxis révolutionnaire. Et Burger, ce livre, a une reconstruction marxiste-hegélienne où il retrace un schéma de développement historique. L'avant-garde, elle apparaît à ce moment-là de développement de l'art et de la culture, donc au début du XXe siècle, elle apparaît de façon nécessaire et dialectique dans l'histoire. Elle apparaît à ce moment-là parce qu'elle est une forme d'autocritique de l'art qui est devenue, à cette époque, un sous-système autonome, idéologiquement autonome en tout cas, et isolé, c'est-à-dire doté d'institutions propres. Et l'avant-garde, c'est ce moment, on va dire, de négation, où l'art va en quelque sorte autocritiquer sa propre fermeture idéologique au reste du monde social.
Et on peut, en tout cas, je déduis ça à partir de Fröger, on peut considérer qu'il y a un mouvement logique en deux temps qui caractérise l'avant-garde. Dans un premier temps, un mouvement qu'on pourrait appeler de transvaluation esthétique, où tout ce qui est, entre guillemets, rejeté hors de l'art autonome, vient par une sorte de mouvement de forçage à l'intérieur de la scène de l'art. Voilà. Ce qu'on pourrait dire, la rentrée de force du non-art dans l'art, et c'est ce qui caractérise, par exemple, l'art du collage, avec l'introduction de fragments de mass media dans la peinture, ou alors le ready-made, avec la substitution d'un objet esthétique par un objet industriel standardisé. Donc ça, c'est le premier moment, en quelque sorte, de l'avant-garde, la rentrée de force ou la transévaluation du non-art, de ce qui était extérieur à l'art autonome dans l'art, et un deuxième moment qui est la transformation révolutionnaire de la vie. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les avant-gardes ont exemplifié ces deux moments. Hein. Dada, par exemple, est plutôt resté au premier moment, qui est la destruction de l'institution art autonome et la transévaluation du non-art dans l'art. Alors que le constructivisme et le productivisme soviétique, lui, je pense, illustre ces deux moments. Un moment destructif, puis un moment constructif, d'articulation avec une praxis révolutionnaire. Deuxième chose également que l'on peut retenir, que je retiens ou je reformule à partir de Bürger, c'est le rapport nécessairement critique de l'art à son infrastructure institutionnelle. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. L'infrastructure institutionnelle, c'est l'ensemble des cadres dans lesquels l'art est produit, reçu, activé, académie, salon, galerie, musée, résidence. Et c'est ce rapport critique aux institutions qui fait sans doute défaut dans la situation actuelle de l'art et de la culture qui est la nôtre. L'avant-garde, en quelque sorte, a été suivie, selon Bürger, d'un deuxième mouvement après la Seconde Guerre mondiale, qu'il appelle les néo-avant-gardes, néo-dada, nouveau réalisme, pop art. Et ces néo-avant-gardes, elles vont réduire la première avant-garde à un simple répertoire formel, mais mené sans volonté révolutionnaire. Un simple répertoire formel qui est utilisé à l'intérieur des institutions de l'art, qui ne sont plus destinées à être renversées, mais qui sont au contraire un lieu de réussite. Donc ça, c'est une thèse très forte, hein, qu'on peut reprendre de son livre, c'est que les néo-avant-gardes ont en quelque sorte inversé le projet politique des premières avant-gardes. Elles ont, en quelque sorte, oratisé, donné une sorte de nouveau caractère fétiche, de nouveau caractère esthétique. Elles ont oratisé, les néo-avant-gardes ont oratisé les premières avant-gardes. Et c'est donc, ce sont donc les conséquences et les leçons de cette nouvelle aura, ou de ce retour de l'aura, comme dit Jean-Pierre Cometti, qui doit, en quelque sorte, être interrogée, et qui doit essayer de nous donner des outils pour mieux comprendre l'économie actuelle de l'art et de la culture, et de proposer nous-mêmes un diagnostic. Alors, cette notion d'avant-garde, ce concept d'avant-garde, il me semble nécessaire, en tout cas c'est ce que je fais dans le premier chapitre du livre, je pense qu'il faut en quelque sorte réduire conceptuellement la notion d'avant-garde pour mieux en faire un concept critique. Si vous voulez, la contracter dans un premier temps pour augmenter son effectivité dans un second temps, pour faire ce que Marx appellerait la montée vers le concret, c'est-à-dire le moment où les catégories abstraites, qui sont donc élaborées par l'analyse, trouvent une forme d'intelligibilité et même de puissance critique supérieure en s'énervant au réel. Produire donc une théorie de l'avant-garde, c'est s'opposer, à mon sens, à deux conceptions de l'avant-garde qui, à mon sens, empêchent qu'elle ait une puissance critique qui manque en quelque sorte une articulation au présent. La première conception, on va dire, qui me semble un peu stérile de l'avant-garde, c'est une conception sociologique. Une conception sociologique extensive qui confond l'avant-garde, on va dire qui la traite de façon transhistorique, qui confond l'avant-garde avec n'importe quelle position avancée dans un champ artistique concurrentiel de lutte pour la réputation. Alors c'est l'hypothèse qui est défendue, cette hypothèse sociologisante, sociologique,
C'est l'hypothèse qui est défendue par Béatrice Joyeux-Prunel dans un livre qui est paru récemment aux éditions Gallimard, qui s'appelle « Les avant-gardes », premier volume, 1848-1918. Et pour Joyeux-Prunel, est avant-garde toute posture revendiquée d'innovation, est avant-garde aussi bien Courbet que l'art contemporain chinois, qui est bien sûr dans toutes les salles d'enchères et qui est collectionné par les oligarques chinois et internationaux. Donc dire que l'avant-garde est aussi bien Courbet que l'art chinois contemporain me semble être une sorte d'étiquette sociologique vide qui n'a plus de pouvoir critique, qui ne veut plus dire grand-chose. Donc ça c'est le premier obstacle, si vous voulez, une conception extensive, sociologique. Deuxième obstacle, une conception qui est purement mythologique ou mélancolique. On considère que l'avant-garde est une origine absolue, coupée de tout rapport au présent. On mythifie les mouvements d'avant-garde historiques qui sont présentés comme indépassables et au regard desquels toute critique artistique est inepte. Alors c'est un petit peu la thèse de Bürger, cette thèse que j'appellerais mélancolique, et c'est dans ce sens, mon avis, qu'il faut elle aussi cette thèse la dépasser. Et donc ce que je défends, c'est que le concept d'avant-garde doit être, on va dire, reconstruit, reconnecté, d'où le terme de Valence, à l'espace culturel contemporain qui est le nôtre, et il doit être reconnecté comme, on va dire, opérateur et analyseur critique. En réinterrogeant le concept d'avant-garde, il s'agit d'entraîner, en quelque sorte, de réveiller la nécessité, on va dire, d'une théorie critique de l'art contemporain, une théorie critique qui questionne sa soumission, la soumission de l'art contemporain à certaines formes agressives de capitalisme, sous la forme, on va dire, d'une symbiose que Jean-Pierre Cometti évoque dans son livre Le Retour de Laura, une symbiose entre art, luxe et mode. Et donc c'est un des premiers postulats donc, de ce petit livre, c'est analyser l'art contemporain à partir du concept d'avant-garde et d'une nécessaire critique de son fonctionnement institutionnel. C'est donc un livre de théorie critique qui est donc orienté vers l'émancipation. Il plaide pour un art contemporain qui soit peut-être plus émancipé par rapport à ses propres institutions, par rapport à son marché. Un art qui soit moins incrusté dans l'économie néolibérale, celle des salles d'enchères, celle des fondations privées, en passant par les politiques culturelles, qui parfois, les politiques culturelles publiques, sont entièrement soumises aux desiderata des mécènes et collectionneurs privés. Je prends pour exemple certaines expositions qui ont lieu au Centre Pompidou, notamment celle de l'artiste Abdessemed, qui a été intégralement financée par François Pinault, qui est lui-même le premier collectionneur d'Abdessemed, donc il finance une exposition d'un artiste qu'il collectionne dans une institution publique, bien entendu pour avoir un effet de retour et de valorisation sur sa propre collection privée. Bon, donc, un livre de théorie critique qui vise à interroger ces fonctionnements institutionnels, qui vise à les critiquer, mais qui ne plaide pas pour autant pour un retour à une forme d'art autonome, qui ne plaide pas pour un retour au métier d'artisan ou à un métier d'artiste ou à une forme d'art qui soit plus authentique, une relation esthétique qui serait le retour, on va dire, aux grandes formes de la peinture, ou un art d'émotion en quelque sorte. Donc pas de volonté de retour à l'autonomie de l'art, pas non plus de croyance dans une simple réplication actuelle du programme des avant-gardes historiques, le dépassement global de l'art dans la vie, mais plutôt un livre qui plaide pour une sorte de désidentification, de l'art avec ses propres institutions, un livre qui plaide plutôt pour une non-coïncidence de l'art avec sa nature instituée. Voilà. Donc, première hypothèse, comme je l'ai dit, une théorie de l'avant-garde ou un concept d'avant-garde peut, à condition d'être déplacé, servir à une théorie critique de l'art contemporain qui soit une théorie progressiste et non pas réactionnaire. Deuxième hypothèse, l'art contemporain international, celui à haut degré de visibilité, à haute cote de vente, celui en tout cas qui est représenté ou qui est montré par des institutions telles que le Centre Pompidou ou le Palais de Tokyo, est essentiellement une forme de recodage formel et simplement formel des stratégies des avant-gardes. Soit une répétition formelle en apparence de la grammaire plastique des avant-gardes, mais qui inverse complètement leur signification politique.
Et il y a dans ces dans les lieux institutionnels que j'ai pu énumérer une sorte de, on va dire, de lingua franca artistique, un art que l'on peut qualifier de post-conceptuel spectaculaire. Celui de Jeff Koons, celui de Damien Hirst en France, celui de Pierre Rigg, de Philippe Parrainot, qui ont transformé l'avant-garde en simple genre artistique, en simple réservoir de procédés formels qui sont répétables. Et cette forme d'art, donc post-conceptuel spectaculaire, qui est bien représentée institutionnellement, peut tout à fait être instrumentalisée comme une sorte de signe d'audace, de distinction, de libre créativité, et peut tout à fait, d'ailleurs c'est le rôle qu'il peut jouer, être une sorte de danseuse ou de poisson pilote du néolibéralisme et des oligarques contemporains, et ceci indépendamment de la valeur esthétique réelle de certains travaux, de certaines œuvres. Alors, peut-être pour reformuler les choses différemment, les avant-gardes historiques, celles du constructivisme, du productivisme, du dadaïsme, de Destail, voulaient en finir avec l'art, au sens où elles voulaient en finir avec un concept d'art imaginairement exilé de la vie ou de la pratique. Cet art contemporain post-conceptuel spectaculaire, pour utiliser une étiquette synthétique, fait de la fragilisation des frontières entre l'art et la vie, celle du collage, celle du ready-made, un simple spectacle répétable, une simple marchandise à haute valeur ajoutée qui est valorisée donc, sur le modèle de l'étalage ou ce qu'on appelle du display. Citons trois symptômes notables qui sont remarquables dans l'économie de l'art et de la culture actuelle, et que d'ailleurs Jean-Pierre Cometti cible assez bien. Premier symptôme, une forme de surenchère d'exposition monumentale qui deviennent indiscernables d'attraction, voilà, à un haut degré de fun, de spectacularisation. J'en veux pour preuve, par exemple, les dernières éditions de ce qu'on appelle les Monumenta, qui occupent donc la voûte du Grand Palais, et où par exemple Anish Kapoor fait une sculpture gonflable qu'il intitule Léviathan, qui monte en quelque sorte jusqu'au plafond, et qui est immédiatement utilisée pour une sorte de fête qui transforme le Grand Palais en boîte de nuit. Voilà, qui est une sorte de boule à facettes géante. Bon, je schématise à grands traits. Autre exemple également, au Palais de Tokyo, l'exposition de Céleste Boursier-Mougenot, artiste représentée à la Biennale de Venise, et qui transforme une partie du Palais de Tokyo en voie navigable, avec des canaux qui transportent des spectateurs d'un lieu à l'autre de l'espace d'exposition, où on peut ramer, et bien entendu, c'est une référence peut-être lointaine à Venise, mais plus directement, moi j'y vois la répétition de formes d'attraction foraine, voire du Pirate des Caraïbes de Disneyland. Bon, ça s'appelle le premier symptôme, une sorte de surenchère dans la spectacularisation, dans l'exposition comme signe, on va dire, peut-être de Disneylandisation, je ne sais pas, des institutions artistiques internationales. Deuxième symptôme, le triomphe d'une sorte de forme fixe qu'on retrouve dans l'art contemporain, qui est ce qu'on pourrait appeler le ready-made global ou glocal, que l'on retrouve dans presque toutes les biennales. Voilà. Alors, la biennale est devenue une forme institutionnelle extrêmement développée de présentation de l'art contemporain, et elle devient l'objet d'une forme de concurrence internationale entre des villes qui revendiquent par là, on va dire, leur statut de centre dans le capitalisme mondial. Donc, assez souvent dans ces biennales, qui assez souvent sont incarnées par des pays émergents, hein, il y a beaucoup de biennales qui sont en Amérique du Sud, en Asie centrale, hein, à Bakou, même je crois au Kyrgyzstan, il y a quelques années. Donc, dans ces biennales, on retrouve ces formes fixes artistiques, ce ready-made global, où un artiste de la ville où se déroule la biennale va faire des ready-made avec des objets de l'artisanat local. Ça, c'est une forme fixe que l'on retrouve, on va dire, d'un pays à l'autre. Bon, je ne développerai pas plus avant. Là, il y a un enjeu géopolitique qui est assez frappant. Troisième symptôme de cet art post-conceptuel spectaculaire international, c'est la prédominance, on va dire, d'une logique du sponsoring global. Je dirais que l'art contemporain
cette frange-là en tout cas, elle est plus que jamais l'objet d'une forme d'instrumentalisation par le capitalisme entrepreneurial, et il est plus que jamais financé par des mécènes, collectionneurs, oligarques, alors pour lesquels il est soit un actif financier, qui peut être amené à être revendu, donc en ce sens, il est un produit financier sur lequel on spécule, soit il est ce qu'on appelle un signe somptuaire, c'est-à-dire un signe de richesse ostentatoire, dans une forme de concurrence entre grands oligarques internationaux, où chacun ouvre sa fondation, à Venise ou au Bois de Boulogne, et où, par exemple, un des lieux d'achat importants de l'art dans la région parisienne, c'est la galerie Gagosian, qui n'est pas à Paris, mais qui est près de l'aéroport du Bourget. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est l'aéroport, on va dire, où, il me semble, avec Londres, il y a le plus de déplacements en jet privé de cette sorte de frange, on va dire, d'oligarques ou de nababs du capitalisme mondialisé, et qui donc, entre deux avions, achète une sculpture chez Gagosian. Bon, je caricature, mais ça, c'est un symptôme assez, assez fort. Donc, cet art contemporain, en tout cas, est devenu, oui, le signe somptuaire du capitalisme actuel est incorporé au fonctionnement de ce dernier. Et dans ce régime, je dirais que cette forme d'art n'est plus vraiment un facteur d'épanouissement personnel, ni de solidarité collective, n'en déplaise aux théoriciens de l'art de masse, mais il sert des intérêts de distinction, de consommation, de rivalité entre pôles de pouvoir, et ce en dépit des alibis démocratiques, des politiques publiques, qui peuvent se contenter d'ouvrir quelques accès quand ces politiques publiques, comme je l'ai évoqué, ne se soumettent pas purement et simplement à la valorisation d'intérêts privés. J'ai cité les liens entre François Pinault et Vincent Pompidou. On peut également parler des choix ou des politiques d'exemption et d'optimisation fiscale pour des mécènes et des donateurs. Et dans ce contexte, eh bien, le retour de l'aura, tel que l'analyse Jean-Pierre Cometti, est un des symptômes. Alors, les avant-gardes historiques, et Benjamin lui-même, dans son célèbre essai « L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductivité technique », plaidait, pour des raisons politiques, pour une forme de destruction de l'aura sacrée de l'œuvre d'art. Cette destruction, pour des fins politiques, eh bien, elle a été inversée. Et même les objets, en quelque sorte, critiques produits par les avant-gardes, ils sont maintenant oratisés. J'en veux pour preuve une exposition récente au Centre Pompidou sur le surréalisme et l'objet, où le sèche-bouteille de Duchamp, qui un ready-made de Marcel Duchamp, qui était bien entendu un objet qui visait à déconstruire ou à analyser de façon critique la signature de l'artiste et les processus de sélection institutionnelle qui valident un objet candidat à l'appréciation comme œuvre. Donc cet objet, qui est un objet procédural, un objet conceptuel en quelque sorte, il est exposé, éclairé dans une sorte de halo mystérieux, sacralisé comme une forme d'icône, ou presque un retable gothique, le tout dans une exposition, bien entendu, mécénée par voilà, des sponsors du Centre Pompidou, des grands groupes bancaires ou des multinationales. Et ce retour de l'aura, en quelque sorte, il s'inscrit dans une conjonction inédite entre, comme je l'ai évoqué, la mode, l'art contemporain et l'univers du luxe ou de la collection. Le groupe LVMH, en quelque sorte, hein, Louis Vuitton, Mouette et Hennessy, je crois, il repose sur une forme de transitivité ou de storytelling, pourrait-on dire, qui relie les différentes sphères d'activité du groupe, hein, du sac Vuitton à la fondation LVMH qui a été donc inaugurée, je crois, il y a un ou deux ans en grande pompe par le président de la République, et qui est une forme de signe architectural somptuaire fait par un des grands architectes stars qui est Franck Gehry, et bien donc du sac à la fondation LVMH, qui expose donc des œuvres d'art, dont de l'art contemporain et la collection de LVMH, et bien tout est une affaire d'oratisation diffuse et réciproque, qui va de la marque à l'objet vendu par la marque, aux œuvres d'art, et jusqu'au signe architectural, lui-même œuvre d'art totale, en quelque sorte, produit par Franck Gehry. Cette forme d'art donc peut donc être aisément utilisée par la publicité, les stratégies de communication d'entreprise, que ce soit l'univers du luxe,
avec LVMH, ou par exemple les boissons alcoolisées comme la vodka absolue, qui a un prix artistique, et la fondation Ricard. Voilà. Il y a un prix Ricard et une fondation. Il me semble que ces entreprises, eh bien, elles investissent dans l'art contemporain parce qu'elles veulent en tirer un bénéfice symbolique, mais bien entendu un bénéfice réel, en considérant que la proximité avec l'aura résiduelle ou retrouvée de l'œuvre d'art va, par une sorte d'effet cliquet, rejaillir sur celle du produit vendu. Et un autre symptôme dont je parle, mais que Jean-Pierre Cometti évoque, c'est que l'art contemporain lui-même, dans son espace public, est soumis à une forme de jet-setisation ou de peopleisation. Je renvoie aux dernières pages de la revue anglo-saxonne Art Forum, revue new-yorkaise, assez gros tirage, qui a une rubrique consacrée à des photographies de fêtes de vernissage entre Dubaï et Venise. Et cette partie-là de la revue, en tout cas, alors je ne sais pas quand est-ce que ça va venir dans Art Press, peut-être c'est déjà le cas dans Beaux-Arts, je ne sais pas. Donc, des photos de jet-set qui sont absolument indiscernables de ce que l'on peut voir dans Gala et dans Point de vue Image du Monde. On a l'artiste qui pose avec le curateur, tout avec un verre de champagne à la main, avec une célébrité qui fait, voilà, qui fait coucou, qui passe devant l'objectif. Donc, cette forme de mondanisation du monde de l'art, en quelque sorte, est un symptôme assez frappant. Cela va de pair avec, à mon avis, quelque chose qui concerne l'érosion des ressources de la critique d'art, qui elle aussi devient intégrée, peut-être à titre de caution, dans les appareils institutionnels et ne joue absolument plus aucun rôle discriminant. J'en veux pour preuve le fait que le critique d'art, à proprement parler, échange souvent ses rôles dans sa carrière professionnelle avec celui de commissaire d'exposition, de curateur, celui également de directeur d'institution et celui de conseiller à l'achat de grands collectionneurs. Il y a, dans les mondes de l'art contemporain, qui sont les nôtres en tout cas, une forme de réversibilité professionnelle qui rend tout à fait difficile, voire impossible, l'idée d'une critique d'art indépendante et exigeante. Et cette érosion de la critique, elle joue à ce premier niveau-là, un niveau professionnel, le niveau de l'employabilité des critiques d'art comme eux-mêmes curateurs, adjoints des collectionneurs et directeurs d'institutions. Mais à mon avis, elle vient aussi d'un problème plus philosophique. Les avant-gardes historiques, elles avaient, pourrait-on dire, une forme de privilège légitime par rapport à la critique d'art, parce que les buts qu'elle poursuivait étaient en quelque sorte des buts politiques extérieurs à l'esthétique. Le problème avec cette forme de néo-avant-garde ou de pseudo-avant-garde post-conceptuelle spectaculaire qui est à la pointe de l'art contemporain, c'est qu'elle se soustrait à la critique, ou qu'elle veut en tout cas se soustraire à la critique, alors même que ses buts sont en quelque sorte intra-artistiques, et que cet art veut réussir dans l'institution art, et est déconnecté de tout projet politique. Et dans ce contexte, il y a une forme de double bind, ou de double contrainte normative, voire même d'aporie logique dans laquelle la critique se trouve, puisque elle devient, le critique d'art devient dans ce contexte un simple validateur, voire une caution, d'artistes déjà établis ou d'une politique culturelle où lui-même est intéressé, hein, dans tous les sens du terme, surtout lorsqu'il crée des tendances et qu'il fait monter les prix. Alors, quels sont, donc, une fois ce diagnostic établi, quelles sont les voies possibles, quelles sont les possibilités pour des pratiques artistiques ou une forme d'art critique qui souhaiterait sortir de ses ornières, qui voudrait en somme sortir de ce qu'on pourrait appeler sa réoratisation. Voilà, qui est, à mon avis, la réoratisation est peut-être le terme qui désigne cet espace contemporain de l'art et de la culture. Alors, je terminerai avec peut-être trois voies possibles, parmi d'autres, hein, en schématisant. La première, ce serait peut-être le retour délibéré et volontaire, peut-être au grand genre de l'art académique, à des pratiques artisanales,
censément être autonome et censément être préservé de la contamination avec l'espace somptuaire et agressif néolibéral. C'est ce qu'on pourrait appeler une forme de néo-académisme qui coïncide avec une certaine tendance en théorie de l'art contemporain, pourrait-on dire une tendance peut-être néo-humaniste, celle par exemple de Jean-Philippe Domecq, celle possible de Jean Clair, même si c'est plus complexe, eh bien pour qui les avant-gardes ont trahi les espoirs de l'art moderne et elles ont débouché sur les totalitarismes, et contre l'art contemporain, il faudrait revenir à une sorte d'essence fantasmée, intemporelle de l'art. Bon, moi c'est une position qui pour moi est une position intenable, qui est une position finalement réactionnaire, et qui est une position où finalement on réoratise également une forme d'art pur, une forme d'art passé qui serait censée être plus authentique. Deuxième possibilité, ou deuxième figure, continuer le jeu de dupe du néo-avant-gardisme ou du pseudo-avant-gardisme de l'art contemporain en revendiquant envers et contre tous un art engagé, un art militant, malgré le fait que cet art soit entièrement contenu, alors contenu presque au sens d'une contention, d'un bas de contention ou d'une contention institutionnelle, donc contenu dans les institutions néolibérales. Cette forme d'art, qui par exemple est représentée par des artistes comme Thomas Hirschhorn, qui transforme le palais de Tokyo en squat avec flamme éternelle, eh bien, m'apparaît en tout cas comme une forme de mauvaise conscience. Et souvent, cette forme d'art, il est souvent accompagné d'une multitude de références philosophiques, à titre de pure légitimation, qui sont des références au post-structuralisme français, avec des noms propres de philosophes qui tournent de façon incessante, voilà, qui sont convoqués pour montrer que cette forme d'art déterritorialise, combat des formes molaires de pouvoir, et c'est Deleuze, et c'est Foucault, et c'est Agamben, et c'est Rancière, par exemple, qui est utilisé de façon très très récurrente par cette forme de pseudo-art militant, mais à l'intérieur des institutions. Alors la dernière possibilité, enfin la dernière, celle que j'énumère, hein, il y en a bien d'autres, c'est celle que j'essaie d'envisager à la fin du chapitre central du livre, et je propose une catégorie à titre de test, qui est la catégorie de la critique ou de l'analyse, non pas critique institutionnelle, mais une critique trans-institutionnelle, et qui désigne des pratiques activistes collectives émergentes qui peuvent, de façon contingente, traverser parfois les institutions du monde de l'art, mais qui opèrent ailleurs dans le monde social. Donc une forme de critique institutionnelle qui étend la conflictualité de la critique en dehors des institutions de l'art, et qui, je pense, hérite des avant-gardes historiques, une forme de conscience aiguë du renouvellement nécessaire des formes de critique des institutions dans une forme d'engagement sociopolitique. Et l'exemple, un des exemples que je commente de ces pratiques critiques trans-institutionnelles, c'est l'exemple du collectif des Yes Men, qui sont des activistes qui n'ont absolument aucun rapport avec le monde de l'art, au sens identifié du terme, mais dont les actions peuvent utiliser des outils artistiques habituellement liés à l'art. Le fait, par exemple, de jouer un rôle fictionnel dans une conférence internationale, par exemple, des grands mondes financiers, d'usurper l'identité et de jouer un rôle en respectant des scripts de présentation, tout cela peut être rattaché à une forme d'art. Mais une forme d'art qui est en quelque sorte désesthétisée, qui ne doit pas faire l'objet d'une appréciation esthétique, et qui est en quelque sorte utilisée pour partir à l'assaut des institutions néolibérales. Il y a, à mon avis, chez les Yes Men, une forme d'inventivité dans la critique sociale qui pourrait, à mon sens, permettre de redécrire une pratique artistique qui soit instituante ou réinstituante, qui sortirait ou qui ne se situerait pas dans les cadres institués de l'art, mais qui tenterait en quelque sorte de se reconnecter à la pratique sociale avec une puissance critique ou un pouvoir que j'appelle réinstituant. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler une redescription. C'est-à-dire que, comme exemple de pratique artistique réinstituante, eh bien, je pense qu'on gagnerait à peut-être cibler des pratiques comme celle des Yes Men,
qui sont des pratiques collectives, activistes, qui inventent des formes d'articulation inédites de critique institutionnelle. Et il me semble que l'art contemporain pourrait ou aurait à gagner à interroger ce genre de pratique. Voilà, j'ai été